Nous allons vivre une très grande histoire d'amour. Ensemble. Pacha S, alias Hassan, bonsoir. Bonsoir. Je me présente. Moi, c'est Anema, hein, dans le jargon judiciaire. On pourrait dire que je suis une sorte de casier vierge, hein, de l'amour. Hein. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un gros pain au chocolat, hein, qu'on aurait offert à un musulman en plein ramadan. Et que du coup, on en déplaise à certains. Eh bien, malheureusement, personne ne fourre jamais, hein, ni dans sa bouche, ni d'ailleurs d'un yoyeur, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie, hein, de vous rencontrer. Pareillement. Et d'autant plus ravie, hein, que même physiquement, hein, du fait de ce petit ascendant garde à vue, hein, que vous donnent vos origines sénégalo-algériennes. Et bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre ce rappeur, hein, aussi cultivé que charmant, hein, que le délicieux et talentueux Dizzys, et la version jeune et non moustachue, hein, de ce beau vieux Eric Lassalle, hein, qui jouait le docteur Benton, hein, dans la série Urgence. Hein, et bien, malgré cet ascendant entièrement décédé, ben c'est quand même pas tous les jours, hein, qu'on rencontre un auteur, rappeur, acteur, réalisateur de talent, hein, qui après avoir salopé, hein, à coup de tag une bonne partie des immeubles, hein, du 13e arrondissement de Paris, hein, puis tenter son succès, une carrière de Billy Elliot à capuche, hein, dans les cercles de danse hip-hop, c'est finalement rabattu, hein, grâce à ce bon vieux MC Solar, d'ailleurs, sur l'écriture et la musique, hein, en menant depuis plus de 12 ans maintenant une carrière de rappeur, hein, de proximité, hein, dans le sens où mis à part vos voisins et vos 24 amis MySpace, hein, forcé de reconnaître que jusqu'à il n'y a pas si longtemps de ça, eh bien personne, hein, n'avait jamais entendu, ni même pensé à pirater, hein, une de vos chansons, pourtant formidable. Un ascendant jeune d'eau, hein, qui a pris fin en 2008, hein, grâce à votre collaboration sur la BO du film Cliente, hein, de la sympathique et distinguée Josiane Balasko, hein, pour laquelle vous avez créé le titre Gigolo, hein, une chanson formidable, hein, qui décrit la réalité d'un homme, hein, qui moque du moyen en finance, hein, n'hésite pas à dépoussiérer, comme on dit, l'étoile d'araignée, hein, de vieux peau aussi fortunée que mal baisée, à une profession évidemment aussi illégale qu'indispensable. Hein, que du haut de mes 35 ans de célibat, hein, je connais, c'est par cœur, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, n'ayant hélas jamais eu les moyens de pouvoir avoir recours au service, hein, d'un gigolo professionnel, et n'ayant hélas non plus jamais suscité aucun intérêt, hein, chez les hommes hétérosexuels, hein, de race humaine, eh bien, figurez-vous, un concours de safari au Congo, hein, j'ai eu un véritable coup de cœur, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour un certain Kimbembe, hein, un jeune bonobo, hein, délicieusement aussi endurant qu'obsédé, hein, croyez-moi, même s'il n'était effectivement pas trop porté sur les préliminaires, hein, cela dit, amplement mérité les 2-3 bananes, hein, que je lui ai laissées le lendemain matin, hein, en guise de salaire. Et en parlant de vouloir prendre son compte, justement, hein, j'ai découvert, hein, que dans le clip La Rue vers l'art, hein, c'est Marilyn Berry, hein, fille d'eux, qui joue votre petite amie. Il y a une collaboration, hein, qui, moi, que je vous l'avoue, me donne beaucoup d'espoir, en fait, hein, dans le sens où je sais qu'à un moment donné, bon. Et il m'a aussi hérité par ma mère, hein, d'un vilain ascendant vergeturé. Et bien, de ce fait, hein, j'aime autant vous dire que la cochonne qui est en moi, hein, sera absolument ravie, hein, à l'idée de vous faire vivre une bonne ruée vers le lard, hein, si vous m'autorisez ce jeu de mots, hein, aussi pathétique que nanalala. Sur cette petite confidence, hein, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien j'irai tenter ma chance en Seine-et-Marne, hein, depuis quelques jours. Hein, la police multiplie les arrestations dans les milieux islamistes. Hein, donc, aussi comme moi, hein, la cellule radicale, hein, du célibat qui est à vous, hein, n'a qu'un souhait finalement, hein, celui de se faire enfin démanteler, comme on dit. Eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Avec mon cœur, monsieur. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Move.